Les vieux sont plus dans nos cuisines. Un jour, j'ai eu envie d'aller voir où ils étaient cachés. J'avais besoin de voir des vieux. Pas mes grands-parents tous les dimanches, mais une salle pleine. Pleine de marchettes, de râles, puis de cheveux blancs. Quelque chose qu'on peut comprendre seulement si on s'y rend. J'avais envie d'une salle pleine de vieux, plus perdus que moutons en ravage. Des vieux zinzins qui ont la mémoire qui se flétrit. OK. En fait, on devrait dire des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais on va s'épargner l'appellation formelle et je vais me permettre de dire encore les vieux et les Alzheimer. C'est ces vieux-là qui m'appelaient. Parce que j'avais l'impression que je pouvais trouver chez ces gens-là, côte à côte, une liberté majestueuse de l'esprit devant la mort et la somme de toutes mes frayeurs.